Êtes-vous un amateur d'opéra? Ou de théâtre? Ou bien juste que vous aimeriez voir un orchestre symphonique interprétant la bande originale du Seigneur des Anneaux en live? Eh bien, laissez-moi vous présenter un lieu, si ce n'est pas LE lieu parfait pour satisfaire ses envies. Je veux bien sûr parler de l'emblématique Opéra de Sydney. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui je vous emmène à Sydney en Australie. Non, c'est pas la capitale, petit margoulin. Et plus précisément devant le bâtiment iconique du pays, le célèbre Opéra. Le projet de construction débuta à la fin des années 40, dans l'optique d'avoir un lieu adéquat pour accueillir de grandes représentations théâtrales ou musicales. C'est en 1955 qu'a lieu le concours international d'architecture du nouvel opéra de Sydney, et c'est le projet de l'architecte danois Jørn Utzon qui est sélectionné. Sa construction durera 14 ans au lieu des 4 de prévu, de 1959 à 1973. Il est situé à Bennelong Point, en bord de mer de Tasman. Non, c'est pas du verlan. Autre particularité du bâtiment est qu'il a été bâti sur la mer, ce sont donc 580 piliers de béton s'enfonçant jusqu'à 25 mètres sous l'eau qui soutiennent la structure. Elle mesure 65 mètres de haut pour une longueur de 120 mètres et une largeur de 183 mètres. Son design rappellerait un voilier ou un coquillage. Alors moi je vois plutôt un hommage à Godzilla, mais bon. Depuis lors, l'opéra accueille environ 1500 spectacles par an, et est composé de, accrochez-vous bien, 5 théâtres, 5 studios de répétition, 2 grands halls d'entrée, 4 restaurants et 6 bars pour une capacité totale de 5738 personnes. Sachant que la principale salle de concert, qui abrite le plus gros orgue du monde d'ailleurs, accueille à elle seule 2679 sièges. L'opéra consomme autant qu'une ville de 25 000 habitants. Un budget de 102 millions de dollars australiens, soit environ 65 500 000 euros, et un terrain de 1,8 hectare, soit 2,5 terrains de football, auront été nécessaires pour concrétiser ce projet. Il est visité par 7 millions de personnes par an et est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. De plus, l'année 2023 marque le 50e anniversaire de sa construction. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Salut les jeunes!